Rebonjour, le temps pour moi de faire une petite pause, de ranger un peu mon plan de travail et on se retrouve pour continuer la deuxième partie de cet album. Donc on va décorer l'intérieur de nos couvertures. Pour le thème potager, j'ai choisi donc les bottes que je vais mettre en premier plan puisque là, elles vont être un petit peu cachées par la carte qu'on mettra devant. Donc ici, je vais le mettre sur le côté gauche pour le voir de suite en ouvrant et sur l'arrière, on va utiliser les gants de jardinage qui seront bien placés ici, je trouve. On va aussi prendre du ruban. Donc pour le thème fleuri, j'avais utilisé le message Garden. Alors j'en ai plus, il me reste que ce petit bout Gardener de Light avec les petits gants. Donc là pour le potager, je vais prendre celui avec les navets. Alors donc ça, on en aura besoin aussi pour la couverture. Donc je vais prendre environ entre 28 et 30 cm pour chaque côté, donc deux fois. On va déjà couper notre ruban. J'ai déjà le scotch qui me colle sur les doigts. Donc les navets pour le potager. Si vous faites plutôt fleuri, vous prenez l'autre, le garden. Alors les bottes en caoutchouc, je ne les ai pas prises. Donc je vais mettre 28 cm. Je coupe en biseau. Donc je n'ai pas pris les bottes parce que le motif est à la verticale et pas à l'horizontale. Donc ça me perturbait un petit peu. Mais on va quand même utiliser ce ruban pour faire de la déco, des embellissements. Alors, on va placer à mi-hauteur le ruban. Donc, comme ça fait 15, vous pouvez faire un petit point à 7,5 pour marquer la moitié. Ça se voit pas trop, on va le mettre sur le carton. On va dessiner sur le carton 7,5. Comme ça, on sera en face. Et là, je vais mettre du double face. Alors, vous pouvez prendre du bleu ou du rouge. Voilà, le fort, donc c'est le rouge. L'extra fort, le bleu. Donc, moi, je mets un morceau de chaque côté, plus un, que je collerai par-dessus le ruban. Alors, ne collez pas carrément au bord, hein, parce que on a un petit peu de jeu avec le ruban. Et surtout, on va mettre notre papier à motif un tout petit peu plus court. Un demi centimètre de moins, à peine. Donc il faut qu'on ne voit pas le scotch, ce serait dommage quoi. Puis ça collerait, enfin ce serait gênant. Donc là, comme c'est l'arrière, on va mettre les navets donc sur l'endroit comme ça. Donc faites attention, il y a la tête en bas, il y a un sens quand même dans ce ruban. Donc là, je vais coller ici. Donc j'ai fait mon point de repère au crayon dans ce sens et je vais rajouter un morceau de double face bleu par-dessus. Là, ça ne bougera plus. Ce serait dommage que ça se décolle. On va faire pareil pour l'autre côté. Donc là, on va aussi se mettre dans ce sens. Donc pareil. La tête des navets sur le bas. Et je recolle un bon morceau de double face. Sur ce, on va redécouper nos deux feuilles de papier. Alors là, on va les découper à 13,5 par 13,5. Donc c'est carré encore. Donc 13,5. Non, attention, pas de bêtises. 14,5. Hein, attention. Hein. 14,5 par 14,5. Gardez toutes les chutes. On va ancrer. Donc, le tour des pages.
Et comme ça, on va pouvoir coller déjà ces fonds. Là, je vais les coller aux double faces. Alors, enlever aussi la pellicule du double face bleu. Et là, vous centrez. Et vous collez. Pareil. Pour le côté droit. Super. Donc on va laisser de côté notre couverture. Pour faire nos fonds de page, on va prendre 5 pages en A4. Pardon. Un petit gratouillis dans la gorge. Alors là, bon, vu que j'en ai déjà utilisé pour le premier album, eh bien je vais prendre 5 pages. J'allais dire au hasard dedans, puisque les teintes vont aller avec le reste des papiers à motif, puisque j'ai dû garder une feuille de chaque, à peu près une ou deux feuilles de chaque. Donc tout va aller avec. On va faire coïncider les motifs avec les couleurs de papier. Donc là, on en découpe 5. 5 pour faire 10 pages en fait. Je vais aller chercher dans les autres teintes. Je ne sais pas si je vais utiliser la foncée, le vert. En fait, on verra les deux côtés, les deux faces. Elles sont jolies. Hein. Alors, 5. Je ne sais plus si j'ai mis du rose. Un petit peu là. On va prendre celle-ci. Le jaune. Bon, ben j'en ai 5. Donc là, le but du jeu, alors on va garder toute la longueur. On va déjà commencer par une page. Et on va faire des plis. Alors voyons. On va enlever la lame du massicot et on va prendre le plioir. Donc là, la feuille, on va la placer à l'horizontale et on va faire un pli à 14,5 sur toute la hauteur. Donc 14,5. On va tourner la feuille dans l'autre sens et on va encore faire un pli à 14,5.
Et là, en fait, ça va nous faire un petit pli au milieu qui va nous servir pour faire la tranche. Ici, ce sera la tranche des pages. Et vous allez me dire, c'est trop long. C'est vrai, il faudrait qu'on refasse un pli à 14,5 dans ce sens-là. Alors, n'appuyez pas trop fort non plus. Donc, on voit le pli. Donc là, on a nos deux pages, droite-gauche, la tranche. Et ici, on va pouvoir s'en servir pour faire des pochettes. Alors, pas sur toutes les pages. Hein, j'en ai pas fait sur toutes les pages. 2, 3, 4. On peut en faire sur... On va déjà commencer par une. On va se concentrer déjà sur les pages qu'on a besoin. Donc ici, comme on ne va pas utiliser le rabat sur le deuxième côté, on va faire un rabat que sur un côté. On va couper ici un petit peu plus à l'intérieur du pli, du premier pli, si vous vous remettez à 14,5. On va remettre la lame sur le bas. Donc on va aller jusqu'à notre pli du haut. On va se déplacer, au lieu d'être à 14,5, on va se mettre à 14,3, de manière à enlever 2 mm de plus ici. Alors vous coupez et vous vous arrêtez. Alors là, il va peut-être falloir que je mette une lame qui coupe mieux. Vous vous arrêtez ici au premier pli. Si vous n'avez pas peur d'aller trop loin, vous vous arrêtez un petit peu avant et vous couperez au ciseau. Et après, dans l'autre sens, on va... couper donc au pli, le pli qui est à la verticale. Alors là, on voit pas trop bien, donc peut-être se mettre dans l'autre sens. On était à 14,5, au moins on est sûr de pas se planter. Donc vous enlevez la partie du haut et vous vous arrêtez bien sûr à votre découpe. Vous voyez, on a enlevé un petit peu plus que le pli. On a la tranche. Et encore ce bout là, donc ça on le garde, ça peut nous servir pour décorer d'autres pochettes. Et du coup on a un rabat ici, ça va nous faire un rabat. Donc on va bien marquer les plis maintenant avec votre plioir. Vous aplatissez délicatement le papier et ici on va marquer aussi nos deux plis puisqu'on a notre tranche. Voilà. Et donc dans les angles, on va couper en arrondi le haut ici, le bas, ici le haut. Là, on ne va pas découper les deux ensemble, mais par contre, le rabat, on va découper en arrondi également. Comme vous avez découpé sur cette face-là, le massicot, la lame fait un petit rebord ici du papier. Donc je l'écrase sur l'envers avec le plioir, de manière à ne plus du tout avoir de petits rebords. Le papier est bien plat dans les deux sens en fait. Ok, donc là on a un premier bloc de pages. On le décorera après. Donc ça, voilà. Après, vous verrez dans le sens où vous voulez les placer, les unes avant les autres, peu importe. Enfin, oui, ça n'a pas d'importance. Donc on va ensuite découper deux autres. Un, deux. Alors je regarde comment j'ai fait de rabat. On va en découper donc une autre sur une autre. On va faire pareil. Et par contre, on va garder les rabats de chaque côté. Allez, on recommence. Donc, on met le plioir.
à 14,5, on plie. 14,5. Dans l'autre sens, on plie à 14,5. Tournez la feuille à l'opposé et on replie encore à 14,5. Et là, on va découper un petit peu à droite et à gauche de notre pli pour qu'on ait un petit peu d'aisance pour replier la pochette. Donc au lieu de 14,5, vous mettez à 14,3. Et on fait pareil dans l'autre sens. Bon, moi je vais le faire à vue d'œil. On va enlever cette petite languette. Et là, on se retrouve avec un rabat de chaque côté. Alors, on va en faire un dans un sens et un dans l'autre. Donc, j'écrase le papier partout. Donc là, je fais mon premier rabat sur l'intérieur. Et l'autre, je vais le faire sur l'extérieur. Alors, marquez aussi les plis de la tranche. Et là, celui-ci, je vais le faire dans l'autre sens. On arrondit les angles. Là, on a un rabat dans ce sens, un dans ce sens. On va en faire encore une autre avec une pochette. Alors, vous pouvez faire deux pochettes si vous voulez à chaque fois, hein, peu importe. Hein. Donc 14,5. Toujours. Et 14,5. Allez, il est carré, donc c'est pratique. Et celui-ci, on va encore faire une pochette. Donc là, je vais couper un côté. Et à 14,3, je retire la petite languette, là, le petit carré de droite. J'en ai coupé un petit peu plus que tout à l'heure. Alors ici, sur celui-ci, on va refaire un pli. Alors là, on était à 14,5. Donc à 15, vous faites un pli sur cette partie-là. Et là, on aura une pochette un peu plus... un peu plus épaisse, plus large, et là on va arrondir donc des deux côtés.
Donc on a trois fonds de page. Il nous en reste deux. Donc là, on va les faire toutes simples. On va les faire sans rabat. Donc on va les couper à 14,5. Alors 14,5 à la verticale. Là on coupe. Je fais les deux en même temps. Et ensuite on fait les plis. Toujours pareil, 14,5 des deux côtés. Donc on reprend toutes nos pages. Donc on va pouvoir mettre une page, alors la première avec le premier rabat. Je vais commencer comme ça. Ensuite je vais mettre une sans rabat, par exemple. Vous les mettez comme vous voulez. Une avec deux rabats, les deux. Une avec la pochette, celle qui a un pli en dessous, et une simple. Ah, il faut faire les angles là. Une simple. Alors le but du jeu maintenant, ça va être de faire notre reliure comme ça. On va coller tout ça ensemble et venir le coller sur la tranche de notre album. Donc là, vous pouvez mettre des pinces à papier ici pour maintenir vos pages, pour pas que ça bouge pendant la manœuvre. Alors là, je ne vais pas le mettre dessous parce qu'il y a ma pochette. Donc, je ne voudrais pas écraser en fait ce petit pli-là. Et là, je vais mettre du double face costaud pour coller mes pages ensemble. Toutes les pages ensemble. Déjà mettre un morceau en haut et en bas et après des bandes dans l'autre sens. Alors je peux aussi utiliser du rouge. Si vous avez le 15 mm, bon, j'en ai plus là, mais alors je vais faire avec celui-ci. Et là on va recouvrir toute la tranche avec le scotch.
que là, il ne faut pas que ça bouge. Elles sont comme ça collées l'une contre l'autre. Par la tranche, du coup, et pas par les pages entre elles, ce qui nous fait deux fois plus de pages. Si on les colle ensemble, du coup, on divise par deux le nombre de pages. En plus, là, comme le papier est recto verso avec des teintes en dégradé, ben, c'est super joli. Je vais un peu moins serrer, là. Donc, maintenant, je vais enlever tout le double face. Alors, l'idée, c'est de coller nos pages. Alors, attention, hein, le bas, c'est bien le côté où on a la pochette. Et je vais coller ça au milieu, comme ça, au milieu de notre tranche. Alors attention, opération délicate. Donc je vais enlever la pince de manière à avoir toute ma tranche bien à plat. On ne se trompe pas de sens. Et là, on va coller. Alors je vais ouvrir un petit peu comme ça. J'allais dire presque par le milieu pour voir où je vais coller. Alors en fait, on est un petit peu plus grand que la tranche de papier de fond. Alors je vais me mettre un peu dessus. Alors je pose délicatement déjà une première partie. Je regarde en bas si je suis bien centrée et si je suis bien à la verticale. Quand c'est bon, je peux coller. Vous voyez toutes les pages qu'on a, on n'a rien perdu en les collant ensemble. On garde toutes les teintes. Et ça, c'est super joli. On a peu de chute au niveau du papier, donc c'est vraiment top. Ok, ben c'est super. On va pouvoir attaquer la déco de l'album. Alors, donc, comment j'ai procédé? En fait, comme je voulais faire deux albums avec un, je n'étais pas sûre d'avoir assez de papier pour recouvrir toutes les pages avec le papier à motif. Donc en fait, une sur deux, j'ai recouvert entièrement la page. Et la chute de papier qu'on a, je l'ai utilisée sur le côté. À un moment donné, on a eu des chutes. Je les ai utilisées un petit peu partout. Donc là, il y a une pochette, on la fera après. Vous voyez, ici, un morceau avec les poules. Ici, rien, un cadre. Là, bon, deux morceaux. Ici, un bout, c'est aimanté. Donc là, je n'ai pas garni parce que le papier est joli. Ici, on a une chute pareille de découpe. Voilà, il n'y a pas du papier à motif sur toutes les pages. La chute est ici en face. Et après, des petits cadres par-dessus. Des petites chutes. Voilà, donc on va procéder de cette façon. Là, un papier à motif, ok. Ici, un bout. Et autre chose à côté. Voilà, on va travailler comme ça. Alors, hop là, c'est parti. Alors, pour les papiers, bah, vous choisissez ce que vous voulez. En fait, les motifs correspondent au papier de fond. Donc par exemple, si on est sur le jaune, donc les couleurs correspondent. Si par exemple vous êtes sur le jaune, vous pouvez utiliser les carottes parce qu'on a du jaune dans les carottes. Donc ça se marie très bien. Et le côté un peu marron orangé, on le retrouve en bas. Donc après, vous allez mettre ce que vous voulez. Au niveau des papiers, c'est vous qui choisissez vraiment en fonction des couleurs. On peut aussi mettre du vert avec celui-ci, voyez. Donc là, c'est vraiment personnel. Moi, je vais vous laisser réfléchir
aux teintes, aux feuilles que vous voulez mettre avec les fonds, par exemple celle-ci, les poires, eh bien on a le vert ici qui va très bien avec. Le vert du feuillage, ça ressort. Donc je vais vous faire découper 5 feuilles comme ça, à la taille qui va correspondre à nos papiers à motifs. Par exemple, ici, donc on a 13,5 par 13,5. Alors je vais le noter au crayon, quelque part. Hop. Donc je vais par exemple prendre cette page, c'est la plus claire. On va découper des morceaux de 13,5 par 13,5. Vous allez choisir 5 pages à motifs. Une pour la première et pour l'intérieur, comme ça, des pages qui sont sans rabat en fait. Donc je vous laisse découper 5 pages avec l'angle rond. S'il est rond, vous faites l'angle rond en haut. En bas, il n'est pas rond, on n'en fait pas. Ici, il va être rond. Ben, je vais faire une découpe ronde ici et ici avec la perfo. Voilà. Donc, je vous laisse hors caméra découper 5 pages qui correspondent à vos couleurs de fond, de papier à motif, et on se retrouve après. Une fois que vous avez découpé vos 5 morceaux en 13,5 par 13,5, alors j'en ai découpé un petit peu plus. Il va vous falloir aussi, donc dans la chute, on va là recouvrir en face par exemple toute la hauteur. Donc il vous faudra couper à 14,5 au lieu de 13,5 sur ce morceau. Vous couperez cette chute à 14,5. On va ancrer les bords du papier. Donc j'utilise toujours le vert. Et je vais déjà coller ce morceau ici. Donc je vais prendre du double face. Bon, pour cette étape-là, je vais prendre du 3 mm. Donc j'en mets tout autour. Vous pouvez le faire à la colle si vous voulez. Et j'en mets un bout au milieu, comme ça, en travers. Alors j'ai choisi les roses pour être donc dans les fonds du papier, et ensuite parce que sur les bottes à gauche il y a les roses à l'intérieur des paires de bottes. Donc du coup je sais que c'est sur le potager, mais en même temps il y a tellement de belles fleurs qu'on va utiliser tous les motifs. Et là je vais centrer et coller le papier à motif. Donc voilà pour ma première page. Et là, on va attaquer le potager. Donc ici, j'ai mis quoi? Sur ce fond-là, j'ai mis des fraises des bois. Donc là, on encre. Oups. On encre bien tout le tour. Avec le vert. Et pareil, je vais coller ce morceau ici. Donc toutes les chutes là que j'ai découpées, je les ai gardées. Ici par exemple, je ne vais pas mettre la chute puisque j'ai une pochette. Donc on décorera autrement. Donc là déjà, on colle tous ces morceaux. On centre et on colle. C'est parti. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé l'autre côté, les poires. Bon, j'en ai fait plus de 5. Hein. Alors vous mettez la caméra sur pause. Et puis vous ancrez et vous collez ces pages-là. Il n'y a pas de piège, hein. Il n'y a pas d'aimant, rien. C'est sur les parties où il y a les rabats qu'on fera des choses un peu plus sophistiquées.
Pour l'instant, là, ça reste vraiment simple. Une page sur deux est décorée avec le papier à motif. Et ici, donc ce petit bout, donc la chute de la découpe d'en face, donc coupée à 14,5 de haut sur toute la hauteur, on va venir la coller au bord ici en laissant un bon centimètre de papier à motif et on va la coller droite comme ça tout simplement. C'est purement décoratif. Donc je vous laisse continuer sur le reste des pages. N'oubliez pas de découper les coins arrondis là où vos pages sont arrondies. Ancrez bien tout le tour. Et on fait pareil. Alors vous pouvez choisir de les coller à droite ou à gauche, hein, ça n'a pas d'incidence. C'est pareil, hein, c'est personnel. Voilà, je vous laisse continuer à décorer les pages qui sont simples comme ça, avec les papiers. Ici, pour vous montrer sur le gris, j'ai pris le gris métallisé avec les fleurs. Donc là, il n'y a pas de rajout, hein, comme pour la pochette d'avant. Ici, j'ai pris les poules sur le beige, enfin sur le côté un petit peu rouille. Les carottes sur le jaune. J'ai utilisé après, hop là, ici, donc les fleurs grises. Et le rajout ici en face. Ici, les petits pois. Les petits pois. Sur le vert pâle. Et à l'arrière, pour finir sur celle-ci, le liseron. Voilà, le liseron avec les gants. Donc, vous ancrez bien, vous collez tout ça. Et on se retrouve après. Une fois donc qu'on a posé ces fonds, on va aller sur la page où on a fait le rabat qui contient un petit soufflet ici, enfin une petite épaisseur. On va faire un autre rabat pour poser dessus, comme ça, à cheval, à mi-hauteur, on va dire. Donc on va utiliser la chute du début. On va découper un morceau. Alors, hop là, on va découper. Couper un morceau de 12,5 de large, donc il sera plus petit que celui du bas. C'est fait exprès. Donc 12,5. Alors je vais regarder combien j'ai déjà. 12,5 par 7 cm. Donc là je vais couper à 7 jusqu'à 12,5 à peu près. Donc dans ce sens, je vais couper à 12,5. Et sur la partie des 7 cm ici, on va faire un pli à 1 cm du bord. Vous pouvez marquer le pli. On va mettre un morceau de double face à l'arrière. Ici, à l'opposé ici, on va faire deux découpes arrondies. Ça donne ceci. Oups, il y a de l'encre. Comment ça se fait que j'en ai mis partout? Bonne question. Bon, ben c'est pas grave. Et ici, on va faire une perforation, donc pour mettre une attache parisienne.
Donc comme ça fait, c'est pas très droit mon truc, hein. Comme ça fait 12,5, donc à 6,2 à peu près, 6,25, on va faire un petit point pour le centre, environ 1 cm du bord, et on va venir faire une perforation avec le petit trou de la crocodile pour placer la tache parisienne. Alors là, c'est pour faire le système du fermoir. Donc, je prends une attache de chez Tim Holtz qu'on a utilisée pour les précédents albums, autant optimisée. Et là, je vais prendre un chiffre, bon ben 10 au hasard, hein, le premier qui se présente. Et je vais le poser ici, donc sur l'arrière qui est le côté orange. On va mettre, on va bien le écarter les deux parties pour que ça ne bouge pas. On va bien le mettre droit, le 10. Oui, je me suis mis de l'encre sur les doigts. Super. Et on va scotcher ça avec un morceau de double face. Et ensuite, on va mettre un papier à motif pour cacher cette partie-là. Quand le rabat va s'ouvrir comme ça, il faut que le motif soit, soit lisible dans ce sens. Alors, bon, soit vous voulez économiser du papier et vous mettez une petite languette de papier à motif ici, soit vous recouvrez complètement de papier à motif. Alors moi, c'est ce que je vais faire parce que j'ai mis de l'encre. Là, c'est pas très joli. Donc, je vais découper une bande. Je vais prendre une bande de papier. Donc, toujours, bah, je vais prendre cette teinte qui a sorti celle-ci. Et je vais découper du coup, comme on avait 12,5, je vais couper à 12. 12. Et dans l'autre sens, à 5,5. 5, 5. Je vais faire mes deux angles arrondis. Alors, je vais mettre la couleur la plus claire dedans. Comme ça, ça contrastera et en même temps, ça me fera un rappel avec le côté droit de l'album, le côté avec les carottes. Et je vais coller cette partie-là. Alors, j'utilise le double face de 3 mm. Je n'encre pas, je laisse les papiers de fond naturel et je viens coller ça ici. Ça s'ouvre dans ce sens. Et ensuite, on va pouvoir le coller à l'intérieur. Donc, on va centrer sur cette partie-là. On va le mettre à environ au même niveau, pardon, que notre papier à motif ici. Parce qu'ensuite, on va mettre un morceau de papier à motif qui va recouvrir l'intérieur ou une partie comme on veut, et du coup voilà, bien scotcher ça, et du coup on va cacher la partie du rabat. Donc on centre voilà, cette partie là va être cachée avec du papier à motif. Donc on va découper une feuille entière. Il va falloir trouver, donc vous en avez pas mal dans votre bloc. Moi j'en suis aux chutes, là il me reste pas grand chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre à côté des carottes? Alors il me reste, tac, les poules. Alors ça va pas trop avec cette teinte là. Le muguet, je l'ai pas utilisé, le bouquet de muguet. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça, ça peut aller. J'ai des fleurs avec du jaune. C'est sympa, ça. Sinon, j'ai des capucines que je n'ai pas encore utilisées.
Alors, je pense que je vais partir sur un truc assez clair. Sinon, il me reste... là, je suis à la fin, là. C'est le bout de mon bloc. Hein. Donc, j'ai encore les carottes ou des feuilles de... je sais pas, on dirait de la fougère. Bon, c'est peut-être des petites feuilles de carottes, des petites feuilles toutes légères des carottes. C'est possible, mais pas sûr. Et comme j'ai pas beaucoup de papier, ben, je vais pas faire comme ça. Je vais mettre une bande de papier à motif ici. Alors, est-ce qu'il me reste un bout? J'ai les poires qui peuvent aller, qui sont dans les teintes. Ou alors, j'ai. Est-ce qu'il me reste des carottes par là? Est-ce qu'il me reste des bouts de carottes? Eh ben, non. Donc, je vais faire... si, ici... ouais, c'est rigolo. Je vais utiliser cette bande-là de papier. Avec des bouts de carottes. Alors, je vais centrer. Et comme ça, l'intérieur restera neutre pour mettre une photo. Ici, par contre, on va prendre de la ficelle. Donc, vous pouvez prendre le coton Bergère de France, le plus gros qu'on a utilisé pour l'album Shabby Chic. Et là, on va coller ici un morceau de ficelle. Donc, je vais mettre du double face. Alors, à moitié, il faut être en face, en fait, hein. À moitié là, je vais mettre un bout de double face. Et c'est pareil, je vais pas tout recouvrir ici parce que j'ai pas assez de papier. Et là, vous prenez de quoi faire deux fois le tour comme ça, par exemple, et redescendre un petit peu. On mettra un charme, on mettra un charme de carotte ici puisqu'on a les carottes. Donc on peut le laisser en haut, c'est pas gênant. Et ici, je vais rajouter une petite bande de papier à motif, alors peut-être les fans de carottes comme ça. Donc du coup je vais le découper quand même à la même largeur que mon rabat. Je vais faire un petit point de repère. Le recouper. Alors si j'y arrive, je fais une petite découpe en angle comme ça, arrondie, pour être assortie à l'arrondi ici. Là, je vais écraser le pli. Et en plus, j'ai plus qu'à coller. Donc vous collez, et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de l'album.